de bonjour chez vous en ce lundi matin. Aujourd'hui notre thème du jour est votre pasteur vous a-t-il déjà déçu? Grande question aujourd'hui. Mmh. Bonjour à notre invité Guillaume Dubuisard, tu es avec nous? Ça va bien? Oui bonjour Evelyne, ça va très bien, merci. Mais, mais c'est un plaisir de te recevoir. Tu es donc le directeur, c'est le bon mot de, de la maison d'édition euh, Inspiration? Est-ce que c'est le bon mot directeur? Oh, oui directeur. Directeur c'est le bon mot. Oh, oui, <laughs> Président directeur. Directeur. Pas, en, pas très en, important. En, en tout cas, tu es à la tête de la maison d'édition euh, Inspiration et tu ouais. viens nous présenter aujourd'hui le livre de la semaine à la place de Nadine. Ce sera quoi donc euh, ce livre Exactement, ce sera un livre de John Maxwell et c'est un, une nouveauté qui s'intitule Les bons leaders se posent les bonnes questions. Waouh hum. Ça, ça va être un bon livre. Mmh. On mmh. sait que John Maxwell est quand même bien apprécié mmh. dans tous les milieux d'ailleurs. Hein. Oui. Exactement. On en parlera donc euh, tout à l'heure. Et euh, toi, chérie, tu vas répondre à une question dans Pasteur. J'ai une question aujourd'hui. Oui, c'est une question de Niki qui nous écrit du Congo Brazzaville. Mon pasteur peut-il m'obliger à épouser une femme dont je ne suis pas amoureux Ah, ah De Niki Niki, ça fait. Non, c'est ça C'est sûr que tu l'as bien dit Oui Okay. Je sens. Vérifie, okay. vérifie. D'accord, oui, c'est juste, c'est juste effectivement. Nikki, je pensais que ça faisait féminin. Non, pour ça. Non, Nikki Larson. C'est vrai, t'as raison. Oh <laughs> c'est pas la bonne référence. De Simon, des années 80. La référence. Je ne connais pas. Non, c'est bien ça, c'est bien. Des vrai animés d'enfance. <laughs> okay. Quand on ne connaissait pas le Seigneur. Ouais, non, c'est oh, pas une là, référence là, là. du tout, du tout. Donc ça, c'est une bonne question que se pose Nikki et Aurélie. Tu auras un témoignage en fin d'émission, un beau témoignage. Oui, un très très beau témoignage de Eric et Aurélie, mais et pas moi et eux ils n'ont certainement pas déçu leur pasteur parce qu'ils ont posé un acte de foi et on va voir comment à travers cet acte la dette a été annulée. Oh, c'est génial ouais. Ça, c'est des bons témoignages. Ouais. Alors, on a rarement des là en plus, mm -hmm. c'est super. Donc aujourd'hui, hein, vous l'aurez compris, nous allons parler de nos pasteurs. Nous allons voir que dans certains cas, bah, nos pasteurs peuvent nous décevoir. On va voir qu'ils sont humains aussi. Et puis, on va voir aussi qu'il peut y avoir certains pasteurs qui abusent aussi de leur autorité. Donc, on va essayer de vous apporter quelque chose d'équilibré mm -hmm. en le faisant de notre mieux, en sachant qu'on a quand même peu de temps pour le faire. Et Frank, on commence avec toi dans la pensée du jour. Ah, les pasteurs, ils sont tellement précieux. Et puis, si vous avez été blessé par euh, votre pasteur dans le passé, ce matin, qu'est-ce que je veux faire? Et aujourd'hui, en fait, je veux juste pouvoir vous apporter la pensée que c'est quelque chose qui est, qui est vraiment voulu de Dieu, instauré de Dieu. Et puis, que les, les pasteurs, en fait, la parole nous dit dans 1 Timothée 3.1, cette parole est certaine si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, de pasteur, responsable, berger, ça peut être traduit de différentes façons. Il désire une œuvre excellente. Et puis, c'est important de se rappeler avant toute chose. Que Dieu a fait des dons aux hommes. Et c'est extraordinaire de penser que les cadeaux que Dieu a fait à son Église, certains de ces cadeaux sont dans les cinq ministères qu'on retrouve dans Ephésiens 4. Et je veux juste prendre le temps de le lire, même si c'est quelques versets, c'est très important pour la pensée. La parole nous dit au verset 10 Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre qu'ils ont à accomplir, ou d'autres versions vont dire du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Et tu te dis, waouh, c'est un privilège que Dieu a établi certaines personnes sur cette terre, il y en a plusieurs évidemment. Mais c'est des hommes que Dieu a donnés à son Église pour le perfectionnement de chacun de nous, en fait. Votre pasteur, et ne le regardez pas comme étant votre ennemi. Il n'est pas supposé être contre vous, il est supposé être avec vous. Et je veux vous encourager à tellement être reconnaissant, reconnaissante pour votre pasteur, malgré les choses difficiles que vous avez vécues dans le passé. Parce que ça ne veut pas dire qu'il y a eu deux ou trois pommes pourrites dans la boîte, qu'ils sont tous comme ça. Et c'est important de le saisir, très important. C'est des cadeaux et des dons que Dieu, que, que Dieu nous a faits. Et ils sont là pour nous apporter à la maturité, à la stature parfaite de Christ, nous dit la parole. Et puis quand on saisit ça... On réalise à quel point c'est précieux. Ces gens sont précieux. Moi, je, par... je vous parle aujourd'hui. Je ne suis pas un pasteur à temps plein. J'ai été pasteur de jeunesse pendant plusieurs années, mais mon père et ma mère sont pasteurs à temps plein depuis plus de. Waouh, j'ai même pas fait le calcul, mais depuis plus de 30 ans, ils sont pasteurs de la même Église à temps plein, par la foi, vivant par la foi pour servir Dieu vraiment. Et je sais, en grandissant, j'ai vu mes parents faire, je sais ce que ça peut demander d'être pasteur, et même comme je dit dans ma saison de quelques années de pasteur de jeunesse aussi, j'ai vu les différents défis qui sont là. Et ce n'est pas évident. Tu ne vas jamais pouvoir plaire à tout le monde. Tu dois obéir à ce que Dieu met sur ton cœur. Tu dois marcher en accord avec la parole. Et ça veut dire que parfois, certaines personnes seront déçues. Mais je le sais, que je le sais, c'est tellement important si tous les pasteurs disparaîtraient en un instant sur la surface de votre pays, là où vous vous trouvez, ça serait une catastrophe nationale. Les gens, ils ne sauraient plus où se tourner, il y aurait plus cette stabilité, ce, ce pilier qui est celui du pasteur. Les autres ministères sont tout aussi importants, mais c'est vraiment la volonté de Dieu. Et je veux vous rappeler à quel point c'est précieux et qu'on doit réaliser qu'ils sont des hommes et des femmes, euh, ils sont humains, ils ont une chair comme nous, ils sont remplis du Saint-Esprit comme nous aussi, on devrait l'être en tout cas mais on doit réaliser que ce sont des hommes et des femmes et qu'il y a des failles. Ils ne sont pas parfaits à tout niveau. Non, ça c'est clair, mais on est supposé être des gens, des hommes et des femmes qui sont matures dans le Seigneur et qu'on puisse comprendre cela et puis être justement envers eux compatissant. On n'est pas supposé être dur et rigide, aimer votre pasteur, bénissez-le. On va parler parce que oui, il y a des, extraits, des extrêmes dans, 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 dans certains milieux, des choses qui ne sont pas bien, qu'il faut dénoncer. Oui, ça c'est clair et la parole en parle très clairement. Mais aujourd'hui, aimer votre pasteur, c'est un cadeau, un cadeau et un don de Dieu qui l'a fait aux hommes. C'est super important. Mmh. Amen. Amen. C'est vrai que, comme tu dis, il hein, y, y a eu de mauvais pasteurs et il y en a encore. Ouais. Et malheureusement, on a eu tendance à des fois vouloir mettre tout le monde dans le même paquet. Ouais. Mm -hmm. Et il faut savoir qu'il y a une grande majorité d'excellents pasteurs qui se donnent énormément dans l'ombre très souvent. On ne ouais. sait pas combien d'heures ils ont passé, combien de nuits ils ont passé à prier pour les membres mm -hmm. de leur Église, pour les besoins, combien de fois ils se sont levés au milieu de la nuit pour mm -hmm. aller à l'hôpital en urgence, pour mm -hmm. aller répondre à un appel parce qu'un couple était en train de se déchiré uh, ou autre. Yeah, yeah. Le ministère de pasteur, c'est un, une vie entière en fait. C'est pas, pas un travail qui dure huit heures dans la journée, puis on rentre chez soi, c'est fini. Ça nous poursuit tout le temps et on est toujours à la recherche de la face de Dieu, savoir quel message je vais apporter dimanche, de quoi mon assemblée a besoin Seigneur. Et être, on doit toujours être au top Absolument. et on est, on est scruté par les membres de notre ah, église. On est regardé. <laughs> et, et, et Paul a écrit euh, une lettre au, à deux, euh, dans 2 Corinthiens 3 je vais vous lire le début et bien ensuite on affichera notre verset du jour. Bon, ouais. on l'affiche déjà, peu importe. Euh, C'est ce, ce, vraiment une lettre que Paul a écrite, mais que chaque pasteur, je pense, pourrait écrire aux membres de leur Église. Euh, notre lettre, c'est vous-même. Une lettre écrite dans notre cœur que tout le monde peut connaître et lire. Il est évident que vous êtes une lettre que le Christ a confiée à notre ministère mmh. et qu'il nous a fait écrire non avec de l'encre, mais par l'Esprit du Dieu vivant. Mmh. Non sur des tablettes de pierre, mais sur des tablettes de chair, sur vos cœurs. Et au verset 5, qui est notre verset du jour, il dit Cela ne veut pas dire que nous puissions nous considérer par nous-mêmes à la hauteur d'une telle tâche. Au contraire, notre caractère, Capacité vient de oh, Dieu, wow. et je pense que beaucoup de pasteurs auraient pu écrire une chose pareille, une lettre comme celle-là aux membres de leur église. On, on lit ça, et puis je reviens à ce que je disais un peu tout à l'heure, mais c'est même un pasteur entre guillemets, il n'y a pas choisi. Quand l'appel de Dieu est sur ta vie, uh -huh. tu dois l'accomplir. Et puis mmh. justement, ce verset-là le dit tellement bien. Mais moi, dans le rôle d'évangéliste que je suis. Je me dis des fois, waouh, la tâche qui est devant moi. Je, tu, tu penses et tu vois et tu te dis, mais Dieu, tu m'as appelé à faire ça. C'est, je peux pas pas l'être parce que Dieu m'a appelé. Et puis les pasteurs mm -hmm. se sentent comme ça aussi. Mm -hmm. Mais je je, je je pense aux pasteurs et la grâce qui repose sur eux parce que les gens, autant qu'ils sont des hommes et des femmes comme nous, il y a vraiment une grâce particulière qui repose sur leur vie aussi. Des gens qui sont majoritairement et normalement, quand ils sont vraiment dans leur appel. Des gens tellement patients, des hommes et des femmes tellement mmh. remplis d'amour. Mmh. Combien de fois j'ai vu ma mère parler avec des gens au téléphone, et puis moi je m'aurais dit après trois minutes, j'aurais <laughs> été plus capable. <laughs> je, je, je prêchais au début, je disais. Quand je faisais des réunions de jeunesse, je disais, mais moi, je ne suis pas un pasteur, vos problèmes, gardez-les pour vous, moi, je prêche. Mais un pasteur est, est tellement rempli d'amour et c'est des gens qui, des fois, justement, ce wow, peuvent... c'est même pas qu'ils se considèrent. Mm. Non, c ils répondent à l'appel de Dieu malgré les faiblesses qui sont là et ils le font de tout leur cœur et ça, c'est précieux. Ça n'a même pas de prix, je vous le dis. S'il y aurait des gens qui perdraient leur pasteur, ce serait comme perdre leurs leur... leur parents quasiment. Oui. Ils sont mm. tellement précieux pour eux. C'est vrai. Oui. Quelquefois, on n'imagine pas justement la charge pastorale. Non. Et c'est pour ça qu'on peut se permettre de pointer du doigt, de dire telle chose ou telle autre. Mais comme on l'a dit, en fait, non seulement le pasteur, il porte les autres, mais on oublie parfois que le pasteur a une vie, on oublie qu'il a une famille, on oublie toutes ces choses-là. Mais il est toujours retourné vers autrui. Il est toujours là pour donner, il ouais. est toujours là, tu disais, on l'appelle, c'est lui qu'on appelle quand ça ne va pas, on l'appelle au milieu de la nuit, on l'appelle à tout moment. Et quand on réalise ça, en fait, de toute façon... C'est sûr que sa capacité ne peut venir que de Dieu, mmh. ça c'est sûr. Mais quand on réalise ça, on peut, on peut pas se positionner comme quelqu'un qui est mon pasteur n'a pas fait ci, mon pasteur n'a pas fait ça, mon pasteur m'a déçu à tel niveau ou à tel autre niveau. Mais en fait, le réaliser pousse plutôt à la compassion. En fait, ça pousse à dire que mais là, mmh. euh, en fait, ce, qu doit, ce qui doit euh, sortir de nous à ce moment-là, c'est de juste de voir que ah mais tiens. Cet homme-là qui est comme moi, parce que nous tous on est des hommes, mais il a des responsabilités tellement énormes. Oui. Et quand on pointe du doigt, il faut parfois se dire, mais si c'était moi, si moi qui étais à sa place, je ne pourrais juste pas, en fait. Oui. Donc éviter comme de critiquer, d'aller dans le sens de la déception plutôt que dans le sens de la reconnaissance, euh, comme euh, Frank disait dans sa pensée. Exact. Et on a fait un sondage sur notre chaîne YouTube, euh, dans l'onglet Communauté, hein, si vous voulez répondre à nos sondages, c'est là que ça se passe. Et nous avons justement demandé, avez-vous déjà mmh. été déçu par votre pasteur euh, Vous avez été 14% à nous dire oui et je l'ai mal vécu. 34%. Oui, mais je n'ai rien gardé contre lui. 36%. Non, il ne m'a jamais déçu. Et 16%. Vous n'avez tout simplement pas de pasteur, mais peut-être que vous n'en avez pas parce que justement vous avez été trop déçu par le passé. Ça, je ne sais pas. Mais on voit, oui. Oui, vas-y. continue. Non, non, bah c'est bon. Non, non. Continue. Pour le continue. sondage, non. Oui, justement, je voulais pas. Vas-y. Vas-y. Ok. Vas bon. Oui, je voulais dire quand, <laughs> quand je lis en fait, euh, oui, et, et je l'ai mal vécu. Oui, mais je n'ai rien gardé contre lui j'ai plein d'exemples qui reviennent en fait d'amis pasteurs qui m'ont raconté des situations et je trouve ça ouais. tellement mmh. difficile d'être pasteur parce qu'il y a beaucoup d'ingratitude et ça me fait penser un peu euh... à, au rôle de, de parents qui aiment leur enfant et en, en crise d'adolescence l'enfant ne saisit pas l'enfant n'a pas une juste vision l'enfant n'a pas l'expérience l'enfant n'a pas le bagage pour avoir le bon discernement et les parents ont beau donner des conseils des recommandations et les enfants, ils sont persuadés, persuadés qu'ils ont raison. Mmh. Et j'ai tellement vu de pasteurs dans cette situation, et la plupart, je dirais, dans plus de 90% des cas, je l'ai mal vécu. Tous les cas qui me viennent, c'est toujours la même histoire, en fait. Et euh, l'histoire, c'est que le pasteur va donner une recommandation ou un conseil euh, qui est basé sur la parole de Dieu, mais les brebis ne veulent pas mmh. de ce conseil. Mmh. et elles ne veulent pas être elles, se soumettre à ce conseil oh. et du coup elles sont rebelles c'est mmh. le mot qu'on peut employer rebelles et elles quittent souvent l'église mmh. parce que par exemple le pasteur dit à des nouveaux convertis maintenant il faut vous marier et non mais on vivait ensemble avant on veut pas se marier et ça dans les îles il y a énormément de cas comme ça mmh. et les gens quittent les églises non mais parce que en fait le pasteur ne va pas aller dans le sens du poil mais il va dire en fait ce que et la parole de Dieu dit. Mm -hmm. Et c'est là que vraiment il faut, faut être comme le prophète Esaïe dit. Il faut, si ce que le pasteur dit est en accord avec la parole de Dieu, il faut se soumettre docilement. Oui. Et dans Hébreu, il y a ce passage qui dit, je l'ai noté, Hébreu 13-17, obéissez à vos conducteurs. Mm -hmm. Ici on parle des bons conducteurs, des bons bergers, oh. ceux qui <laughs> aiment bien sûr, euh, ceux qui font pas ça pour leur intérêt, mm -hmm. et soumettez-vous à eux, car ils veillent sur vos âmes en hommes qui devront rendre des comptes, ils pourront ainsi le faire avec joie et non en soupirant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Oui. C'est vrai. Mais ce qui se passe souvent, c'est que, euh, Frank, on a des attentes démesurées sur nos pasteurs et, ah ouais. et on attend d'eux-mêmes qu'ils changent notre vie. C'est Je suis imparfait dans, dans l'église, j'arrive avec tout ça, puis mon pasteur a cette obligation de me transformer. C'est complètement ben démesuré. Non, ben oui, c'est démesuré parce que le pasteur n'est pas le Saint-Esprit. Hein, mm -hmm. Je suis désolé. Puis mm -hmm. les, les gens ont souvent pensé qu'à cause d'un bon message du dimanche matin, et les gens arrivent le dimanche matin, moi je le sais en tant que prêcheur, ils veulent le message qui va transformer leur vie. Oui. parce qu'ils vivent la chose. Et puis, oui, mais il y, y en a peut-être, si vous êtes 200 dans votre <laughs> église, si vous êtes 50, si vous êtes 1000, il y en a d'autres qui pensent la même chose et qui oui, vivent oui. tous des problèmes différents. Et là, mm -hmm. ça veut dire, ben le pasteur va prêcher un certain terme et puis ça va fortifier l'autre, mais pas elle. Ouais. Bien, là, le pasteur s'est planté. <laughs> ben, non, non, il s'est pas planté. Le pasteur, normalement, obéit au Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il qu qu a sur son cœur? Et, et ça va dans ce sens. N'ayez pas des... des c'est comme tu l'as dit, des attentes démesurées, ça c'est super important. Mmh. Et puis les pasteurs, ils ont une pression aussi du spotlight qui est sur eux en fait. Mmh. Moi encore là, je, bon, je, je le sais à un certain niveau, mes parents, moi je trouve qu'ils ont bien géré ça par rapport à moi, je suis fils de pasteur. Euh, J'étais pas parfait en tant que, que jeune, mais quand t'es pasteur, aujourd'hui avec du recul, je me dis bon, mon père et ma mère étaient pasteurs, ils voyageaient, ils faisaient des trucs. Alors, des enfants, c'est des enfants, hein, c'est pas parfait. Et puis tu te dis ben tout le monde regarde ma vie, les gens regardent la vie familiale, ils regardent comment les enfants sont. Il y, y a toutes sortes de pressions qui sont là autour du pasteur, et, et les gens justement ont des attentes qui se disent ben c'est des super hommes, super femmes. Mais non, je suis désolé. Les personnes, tu l'as dit tout à l'heure, c'est des pasteurs qui vont au milieu de la nuit se lever, répondre au téléphone. C'est comme des, des docteurs spirituels qui sont là 24 sur 24, wow. 7 sur 7. Mm -hmm. Moi, je me rappelle des jeunes qui m'appelaient à 10, 11 heures le soir. Ils disaient, ah, mais Frank, je suis tellement pleurer et tout ça. Ah, ok, là, t'es là et puis tu vas le rencontrer. Tu n'as mm -hmm. pas le choix. Ça fait partie de, de, de qu'est-ce que c'est et c'est toute une vie. Et pourtant... Il y en a qui l'ont mal vécu. C'est vraiment comme Michael l'a dit. Il dit, je il me déçu. Mais est-ce qu'il t'a déçu Mais -ce que c'est toi qui n'as pas voulu te soumettre à la parole de Dieu Tu vois, ça va de tous les sens. On peut pas tout savoir dans ce sondage-là, mais c'est là. Et, et parfois, notre pasteur va juste nous décevoir parce que euh, il est humain et oui. il est imparfait. C'est vrai. Et ça. oui, grande révélation. <laughs> non, mais c'est vrai. C'est un humain. Si nous, on commet des erreurs, pourquoi notre pasteur ne pourrait pas en commettre Alors, il y a différentes. Catégorie d'erreurs, différents yeah, types d'erreurs. Hein, on mm -hmm. n'est pas dans les extrêmes. Non, on non, essaie d'aller sur quelque chose de standard. Aujourd'hui, on ne peut pas re, re, rejoindre tous les points. Mais il faut savoir que peut-être, des fois, il va dire une chose dans sa prédication euh, avec laquelle, peut-être, vous ne serez pas totalement d'accord ou qui va venir vous toucher ou peut-être qu'un jour, il va euh, utiliser la chair pour reprendre tous les fidèles alors qu'il aurait peut-être dû le faire dans l'intimité ou différentes choses. Il y, a, il, y des, il y a des choses qui vont peut-être nous décevoir, mais il est humain. Si nous, on a le droit de se tromper, notre pasteur a le mais droit. Mais c'est une droit. bonne nouvelle. Je pense que 48%, selon le sondage en tout cas, ont été ou, ou peuvent être en ce moment déçus par leur pasteur parce que ça aide à équilibrer deux choses. Il y a les attentes envers euh, son pasteur. Souvent, les attentes, c'est qu'on pense qu'un ministère pastoral ou un ministère de prédicateur va répondre à tous nos besoins. On va s'attendre à ce que tout soit comblé, nos attentes. Alors, on attend que le, même le pasteur soit prophète, évangéliste, mm -hmm. euh, oui. euh, puisse intervenir dans quelle que soit la situation. Et ça met le pasteur sur euh, beaucoup de pression, mm -hmm. beaucoup d'attentes. Mm -hmm. Puis de l'autre côté, on a euh, des pasteurs qui, des fois, ont pu utiliser leur position pour, trop en... pour prendre trop de place. Oui. Même prendre plus de place que le Saint-Esprit voudrait leur en donner. Le fait qu'il y ait autant de déceptions, parfois, ben, ça aide à équilibrer le fait qu'en tant que chrétien, je dois m'attendre à ce que Dieu d'abord comble mes besoins. Amen. Je ne peux pas m'attendre à ce que le pasteur réponde à toutes mes questions et à toutes mes attentes et que la prédication, même lors du, du, du dimanche, réponde exactement à ce que j'ai besoin de tout le temps. Je dois, moi, être ouvert à ce que le Saint-Esprit veut faire euh, et veut me dire, sans pour autant que tout tourne autour de moi. Ça tourne d'abord autour de son Église. Mm -hmm. Et puis, euh, les pasteurs qui, des fois, ont eu trop de place ou qui ont pris trop de place au niveau spirituel. Eh bien, il faut qu'on se rappelle que même le plus grand des prédicateurs, le plus grand des pasteurs, comme on vous l'avez dit, comme on l'a dit, est un humain. Mm -hmm. C'est un homme et c'est quelqu'un sur lequel on peut s'appuyer parce qu'il a reçu un mandat de Dieu. Mais s'il dépasse euh, certains, certaines, son, certaines euh, limites qui, qui lui ont été données par euh, euh, la parole de Dieu pour exercer son ministère, s'il n'est plus un berger, mais de berger, il devient gourou parce mm -hmm. qu'il se met à, à donner... Euh, des directives et des directions oui. qui mmh, n'ont mmh. plus rien à voir avec l'enseignement des écritures. Bien oui. là, il faut que nous on se rappelle simplement que on doit faire en tant que chrétien notre part des choses et pas mmh. tout attendre du ministère ou du pasteur euh, sous lequel on est euh, on est placé. Mais tout en nous souvenant qu'il a une autorité spirituelle qu'on doit quand même respecter. Exactement, oui. tout à fait. Et euh, Frank, comment on peut concrètement nous en tant que brebis de l'Église hein, euh, soutenir notre berger, puisqu'on utilise l'expression euh, brebis berger ouais, oui, C'est ça. Euh, ben, principalement, premièrement, priez pour lui. De toute façon, c'est juste normal. Priez pour votre pasteur, priez mm -hmm. pour sa femme, priez pour sa famille, parce qu'ils sont dans un rôle qui est très important. C'est un rôle de... Ben, c'est ça qui, qui dirige. Et comme je dis, il y en a qui sont à différents niveaux. Mais c'est clair que tout ministère, toute personne, et même tout être humain, on pourrait le dire comme ça, mm -hmm. mais je veux dire, il va être sujet à des attaques spirituelles ouais. qui vont être là. Ouais. Et ouais. on doit vraiment prier pour eux, parce que la grande majorité, hein, quand je regarde en Amérique du Nord la majorité des églises sont de 200 personnes et moins. La, grande, ma oui, oui. la grande majorité. Mmh. Et donc, tu dis que ces pasteurs-là, qui ont peut-être des églises de 100, 75 personnes, euh, il va y avoir des défis financiers. Une église mmh. qui a 10 000 membres et 150 membres, ce n'est pas les mêmes réalités. Donc, oui. un pasteur a des défis au niveau financier, ça, c'est sûr et certain. On doit prier pour eux, pour ces gens-là, les soutenir aussi. Quand quoi, vous vous sentez sur votre cœur, il n'y a absolument rien de mal de pouvoir les bénir d'une certaine façon. Prier pour leur famille. Euh, et, et puis comprendre aussi, quand on mature dans le Seigneur, on n'est plus supposé, parce que tu me demandes qu'est-ce qu'on peut faire oui. pour eux, ne plus aller vers eux pour toutes les petites choses de la vie. Mm -hmm. Parce qu'on est appelé à être mature dans le Seigneur et on est appelé à entendre la voix du Saint-Esprit par nous-mêmes. Mm -hmm. Et ça, ça déchargerait tellement de pasteurs si les chrétiens mm -hmm. sortiraient de cette crise d'adolescence mm -hmm. à hommes et femmes. Les gens se tourneraient vers Dieu eux-mêmes et diraient Seigneur, j'ai besoin de ta directive, comme qu'on est supposé le faire. On est supposé entendre la voix du berger. C'est comme ça que c'est supposé être pour nous-mêmes. Le pasteur est là pour des, des, des questions, des, des choses plus difficiles, il n'y a pas de problème. Mais les pasteurs, ils ont souvent un poids énorme qui est là parce que les gens vont courir vers lui tout de mmh. suite, tout de mmh. suite, tout de mmh. suite. Et puis, on peut apporter des pensées aussi parfois au pasteur de dire tout simplement. Pasteur, je vois que tu es, es submergé. Quelqu'un qui est plus mature spirituellement, il pourrait dire As-tu pensé peut-être d'établir juste des leaders à côté de toi ou des pasteurs associés qui sont là Juste commencer à apporter des pensées à votre pasteur dans l'amour, sans, oui. sans, sans, sans mettre une charge ou être frustré. ou Non, aller dans l'amour toujours, parce que vraiment, il y a un poids qui est là sur eux. Mm -hmm. et comme je l'ai dit, les gens, ils ne comprennent pas qu'est-ce que ça comprend être un pasteur. J'ai vu plusieurs personnes qui ont été pasteurs 5, 6, 7, 8 ans, puis à fin de compte, Mm -hmm. de, des gens qui sont pasteurs depuis des longues années, il en a pas beaucoup, beaucoup. Et ceux qui ont, entre guillemets, euh, commencé ou essayé parfois, ils ont vu à quel point ça peut être difficile et c'est vraiment <laughs> pas un jeu. C'est pas un jeu être pasteur, c'est la vraie vie, c'est spirituel et oui. c'est l'appel bon. de Dieu qui doit être là. Exactement et, et Guillaume tu en parlais dans certains cas, il y a des abus et puis euh, c'est un, un sujet euh, qu'on a pu voir dans le, le sondage, euh, vous avez été nombreux hein, à écrire dans les commentaires à quel point vous avez été déçus mais à cause d'abus euh, d'abus d'autorité, d'abus spirituels et on va voir justement euh, un petit peu où se situe la limite rapidement avec toi chérie dans la rubrique Pasteur j'ai une question dont tu le disais au début d'émission un Niki euh, du Congo Brazzaville nous a demandé donc mon pasteur peut-il m'obliger à épouser une femme dont je ne suis pas pas amoureux, est-ce qu'on atteint la limite avec ce genre de propos euh, c est, c est, euh, Oui, on a atteint la limite. Euh, non, le pasteur ne peut pas nous obliger à épouser une femme. Ce n'est pas son rôle déjà de choisir le mmh. conjoint de la personne. Mmh. C'est nous, Dieu nous donne la liberté. Dans la Bible, on voit mmh. pas de cas où Dieu impose les conjoints. Il y a Ève, il y a le prophète Osée avec la prostituée. Euh, on voit une direction de Dieu pour euh, Isaac, mais c'est tout. Ouais. Sinon, c'est on a la liberté de choisir et c'est le privilège que Dieu nous donne. Donc, en aucun cas, euh, le pasteur, qui qu'il soit, grande église ou petite, peu importe sa notoriété, il n'a pas le droit de dire, voilà, mm -hmm. tu dois épouser cette personne. Il peut donner son avis, il peut conseiller, Bien parce qu'il a du discernement. Il voilà, Mais euh, il ne, le problème ici, c'est obligé. Le pasteur mm -hmm. ne peut pas obliger d'épouser une personne. Et on voit l'apôtre Paul. Euh, l'apôtre Paul, euh, qui est l'apôtre, le, le pasteur des pasteurs, on va dire, euh, qui lui va dire dans 1 Corinthiens 7, 39, une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre, elle est libre, donc là c'est l'apôtre Paul mm -hmm. qui parle, elle est libre de se marier à qui elle veut seulement que ce soit dans le Seigneur. Donc la seule recommandation que Paul donne ici, c'est que ce soit dans le Seigneur. Et oui, le fait qu'elle est libre de se marier avec qui elle veut, veut, ça veut dire, bah, bien sûr, je vais me marier avec quelqu'un que j'aime, quelqu'un que j'apprécie, quelqu'un qui me répulse pas. Et donc, si un pasteur oblige ce genre de choses, non, non, vous êtes libre, Niki, tu es libre. Mm -hmm. Alors, euh, juste rapidement, donner quelques précisions. Euh, ne, que... Il y a de l'abus. On parlait de l'abus et je veux juste ouvrir une parenthèse, conclure avec ça, parce que bon, la réponse elle est évidente. Voilà, Ce n'est pas le rôle du pasteur. Mais beaucoup de pasteurs euh, ont dévié ou n'ont pas été institués par Dieu. Ce sont des faux ouvriers ou des mauvais pasteurs. Ou ils ont chuté. Il faut, il faut peut-être les aider, prier pour eux, les recadrer, etc., peu importe. Mais ils vont se servir de la parole de Dieu comme prétexte pour mettre un joug sur les gens, ouais. pour manipuler les gens, pour dominer les gens ouais. et pour contrôler la vie des gens. Et j'en vois de plus en plus, particulièrement dans, dans certains continents. On le voit beaucoup en Afrique, on le voit aussi peut-être dans d'autres endroits, mais j'ai beaucoup ouais. entendu d'histoires d'abus. Mmh. Et ils utilisent des versets comme j'ai pu le lire tout à l'heure. Obéissez à vos conducteurs, soumettez-vous à eux. Ou comme on en parlait avec Guillaume avant, ne, ne touchez pas loin de l'Éternel. Mmh. <laughs> euh, David qui disait ça pour Saül. Euh, Celui qui résiste à l'autorité romaine instituée par Dieu résiste à Dieu lui-même et il s'attire un jugement contre lui-même. Mmh. Attention, on ne parle pas contre Moïse. En fait, ce genre de choses, c'est inacceptable. Mmh. Il faut pas l'accepter. Même s'il y a derrière des vérités, euh, quand... Il faut discerner le cœur en fait de la personne qui, qui utilise ces versets. Donc je dirais que le, le, le pasteur Dieu lui donne un cadre, comme Guillaume l'a dit, et il ne doit pas sortir de ce cadre. Dès lors qu'il sort de ce cadre, ça devient de l'abus. Oui. Et ce cadre, c'est quoi Premièrement, c'est l'amour. Et deuxièmement, c'est le contrôle des gens. On, on, on ne doit pas le, le, quand le pasteur nous donne un conseil une recommandation bon, on peut prendre le cas du mariage ou un conseil sur la gestion de nos finances ou la gestion de notre foyer ça, ça doit, il faut discerner est-ce que ce qui motive ce pasteur c'est l'amour jésus a dit le bon berger le vrai berger donne sa vie pour ses brebis ouais. et Breux dit, ils sont là pour veiller sur vos âmes euh, le pasteur c'est l'image du berger qui va prendre soin de la brebis il est là par amour et tout ce qu'il fait doit être fait par amour, si je conseille ça, c'est par amour. Mmh. Et on peut discerner, on prend un peu de recul, est-ce que ce que le pasteur me dit est dans le cadre de l'amour ou est-ce que c'est dans le cadre du contrôle, de la manipulation euh, de ses intérêts personnels Et à l'époque, Pierre, Jude, euh, Paul aussi, à Timothée, ont vraiment mis en garde contre les abus, contre ouais. les, les, les pasteurs, les faux ouvriers qui, à cause de leur convoitise, vont séduire les gens qui sont faibles <laughs> par des fausses doctrines, par tout un tas de choses. Et euh, il se cache derrière le spirituel pour manipuler les brebis. Mmh. Dieu m'a dit, et j'ai eu par un don spirituel, que c'est lui ton époux. Mmh. Quelle pression il met sur les gens Il ne faut pas accepter ça. Parce qu'en gros, OK, donc tu ne crois pas en mon discernement, donc tu remets en question ma relation avec Dieu, tu remets en question mon autorité. Et souvent les brebis se, se confient à leur pasteur. Et les pasteurs ont vu les brebis dans des états de grande vulnérabilité, des faiblesses qu'ils ouais. ont. Donc, la brebis est, est, est consciente de tout ce que le pasteur sait et ça devient dangereux. Et là, il y a beaucoup d'abus. Mmh. Il y a des bains d'huile pour que tu sois libéré. Mmh. Allez, viens, il y a même des endroits où on dit, si tu couches mmh. avec le pasteur, tu seras libre de tous tes liens. Euh, C'est terrible. Oui. Et je veux vous dire, si vous nous écoutez, on arrose l'Afrique, s'il vous plaît. Si vous êtes hey. dans une église avec de tels pasteurs qui vous font tomber dans la souillure du péché à cause de leur convoitise ne croyez pas qu'ils vous promettent la liberté comme dit paul ils sont en train d'abuser de vous ouais. de, votre, euh, de votre faiblesse et je vous encourage fuyez oui. fuyez ces pasteurs et dénoncez-les mmh. voilà oui. merci parce que j'aurais dit ça si tu l'avais pas dit donc merci de l'avoir dit ils auront à rendre des comptes oui voilà. mmh. exactement exactement Merci beaucoup pour cette, euh, cette réponse qui amène un certain équilibre euh, euh, à notre thème Absolument. du jour parce qu'on est obligé de parler de, de, de tous les cas, de tous mm -hmm. les cas de figure, essayer d'arroser tout ça et merci euh, chérie de l'avoir fait. Nous allons continuer maintenant avec le livre de la semaine dans la rubrique culture et médias Découvrez le livre de la semaine Sur Donc les bons leaders se posent les bonnes questions Guillaume, un livre de John Maxwell. Qui est John Maxwell pour ceux qui ne le connaîtraient peut-être pas Oui John Maxwell est quand même à une renommée mondiale hein, oui. en termes de leadership. On pourrait le surnommer le gourou du leadership contemporain. <laughs> Mais Dans le bon sens, il, du, dans terme, bon sens du terme, il a énormément de... de de livres déjà son actif mais plus que des livres il a beaucoup de, de conférences de pratiques de euh, il est encore en, un consultant pour la NBA par exemple au niveau leadership il va il va travailler avec des associations qui la euh, enjoy enjoy stewardship services et Equip, qui a formé plus de 6 millions de leaders au jour d'aujourd'hui à travers le monde donc ça s'est multiplié, ça fait boule de neige. Les principes, qu'est-ce qui accroche beaucoup les leaders à, à John Maxwell, c'est son pragmatisme, sa, sa façon simplement de, de donner des conseils très pratiques. Mmh. Alors euh, il va et, et, il va par exemple énumérer un principe comme dans ce livre-ci, une question et sur lequel il va sur laquelle il va répondre en déclinant les différents points, les différentes étapes que les leaders peuvent suivre. Les bons leaders se posent les bonnes questions. C'est un nouveau livre, c'est une nouveauté pour la première fois traduit en français, ouais. euh, qui s'adresse plus particulièrement vraiment aux leaders, pas forcément à ceux qui sont au, à la tête d'une organisation, ça peut être des leaders euh, dans une église, des, des co-ouvriers, ça peut être des responsables de département, euh, ça peut être euh, toutes sortes de personnes, même à la limite le leadership commence dans la famille, oui. dans sa propre famille. Et euh, quand on exerce le leadership, quel que soit le niveau euh, dans lequel on est, il y arrive des moments où on se sent euh, comme sur un plateau. Qu'est-ce que je fais de plus pour mon département Qu'est-ce que je peux développer de, de, euh, de mieux pour mon équipe Comment je peux réorganiser les choses, faire avancer mon travail Aussi, les questions comme comment je peux m'ajuster. J'ai un nouveau leader qui vient d'arriver, par exemple, dans, euh, dans mon organisation ou dans, dans, dans l'association ou même l'église dans laquelle je suis et ce leader n'a pas, pas de vision. Mmh. Ça peut arriver des fois qu'en tant que collaborateurs ouvriers, on se dit mais ce leader là n'a pas, pas de vision, comment je peux travailler avec lui mm -hmm. C'est impossible de travailler avec un leader qui n'a pas de vision. Ce genre de questions-là sont un peu délicates, même pour des coachs en leadership comme Maxwell. Et dans ce livre-ci, il va rassembler toutes les questions difficiles qui lui ont été posées par des leaders. Mm -hmm. En fait, c'est ce qui fait l'intérêt de ce livre, c'est que à travers ces 40 ans maintenant de pratique du leadership, il s'est mis à rassembler toutes les questions que des leaders durant des conférences lui ont posées, et pas forcément, évidemment, des questions faciles à répondre. Mmh. Et des questions du genre euh, ⁇ euh, que dois-je faire pour parvenir à me diriger moi-même en tant que leader ?⁇ ou des questions, comme j'ai évoqué euh, plus tôt, euh, comment suivre un leader qui n'a pas de vision Comment travailler avec un leader qui n'a pas de vision C'est quand même des, euh, des, des questions délicates. Comment résoudre les conflits et diriger les gens à problème mmh. Alors, on, parle de, de, on parlait justement dans l'Église, des fois, les leaders qui peuvent avoir certains comportements abusifs, mais aussi des chrétiens qui, euh, ou en tout cas des brebis qui se comportent mal. Mmh. Et comment on doit apprendre à gérer Pour beaucoup de leaders, c'est difficile de gérer les conflits, surtout des pasteurs. Dans, Franck, dans le ministère pastoral, un pasteur, lui, veut tellement rassembler les gens, mmh. veut tellement aimer les gens, que les gens qui arrivent avec un peu un caractère dominateur, là, qui veulent s'imposer, c'est difficile pour des pasteurs. Mmh. Quand le conflit arrive, souvent, ils ont du mal à vouloir, même dans leur nature, euh, confronter les, les problèmes avec ouais. les gens difficiles. Et John Maxwell, dans ces questions-là, dans, dans ce livre-là, pose ces questions et il répond de façon très pratique. Il dit voilà les étapes que vous pouvez suivre par rapport à telle situation. Euh, si vous vous posez la question, par exemple, même pour notre génération, on fait une transition de leadership. Alors, si on fait une transition, mmh. si je cherche un successeur euh, pour mon ministère, par exemple, et ce genre de choses, comment une transition de leadership peut se passer, euh, on va dire, correctement et mmh. efficacement mmh. Parce qu'on a souvent beaucoup de difficultés, euh, dans, surtout dans le ministère. On pense que Dieu nous a appelés jusque dans l'éternité, puis jusqu'au dernier souffle de vie, ben, mmh. on continuera à être dans notre ministère et c'est Dieu qui nous appellera. Mmh. Et souvent, ça arrive en francophonie comme dans d'autres pays. On se rend compte que par la suite, bien, les choses vont dégringoler ou les choses vont tranquillement ouais. diminuer ou se détruire, c'est arrivé même pour des grands ministères aux États-Unis. Pourquoi Parce qu'il n'y a jamais eu de transition qui a été faite. Fait. On n'a jamais travaillé à ça. Dans ce livre-là, John Maxwell justement donne à, à des leaders qui ne sont pas seulement des pasteurs, mais qui sont des chefs d'entreprise. C'est valable pour des compagnies séculières. Comment je fais une transition de leadership dans ma compagnie oui. si je prends ma retraite, etc. Oui. Il donne des conseils très pratiques là-dessus pour former donc d'autres leaders et pour euh, amener. Euh, chaque lecteur, chacun d'entre nous à se positionner où est-ce que j'en suis dans mon leadership, est-ce que je suis dans un statu quo, si oui, il faut que je commence à me poser des questions. C'est ce que Maxwell dit, il dit, si vous voulez avoir du succès et atteindre votre plein potentiel de leader, vous devez prendre l'habitude de poser... Des questions. Les questions sont importantes parce que même si chaque année on se pose les mêmes questions, on peut trouver des réponses différentes. Pourquoi Parce que notre ministère évolue, notre travail évolue, la société évolue, tout évolue, tout grandit. Donc le fait de se poser certaines questions pour savoir où nous en sommes, où nous voulons aller, va nous aider des fois à progresser, à trouver, de, à sortir des sentiers battus, sortir du statu quo, progresser dans notre leadership. Si je suis euh, ouvert au changement, à la progression et au développement, je dois me poser des questions. Et c'est pour ça que ce livre s'intitule ⁇ Les bons leaders se posent les bonnes questions ⁇ parce qu'il n'y a pas de progression sans se poser les bonnes questions. Mm -hmm. Maxwell va dire ceci. Il va dire ⁇ Pendant 40 ans, j'ai posé des questions sur le leadership. Vous pensez peut-être qu'au fil du temps, comme j'ai reçu des milliers de réponses, les questions ont perdu de leur importance pour moi, mais en fait, c'est le contraire. Plus je pose de questions, plus je me rends compte de leurs valeur. Sans les sages conseils et les réponses judicieuses dont j'ai bénéficié à la suite de mes questions depuis des dizaines d'années, je me demande où j'en serais aujourd'hui. Je n'aurais pas autant progressé. Je ne serais pas allé aussi loin. Les gens qui se sont suffisamment souciés de moi pour me guider et me prodiguer leurs conseils ont fait une différence considérable dans mon leadership. Super! Ça a l'air d'être un très bon livre, Guillaume. Il est disponible sur euh, EMCI Boutique Il est disponible sur EMCI Boutique. S'adresse principalement aux leaders oui. ou à des responsables, comme je disais, de départements. Mais tout chrétien pourrait vraiment se procurer cet ouvrage-là oui. et, et, et pouvoir le lire et l'étudier. C'est à la fois un livre et aussi un manuel pour pouvoir faire une évaluation de son leadership, oui. de là où nous sommes rendus, et des conseils très pratiques. Oui. Pour pouvoir régler peut-être certains problèmes ou avancer et sortir du statu quo. Excellent. Merci Guillaume d'être venu nous présenter ce livre. Je le rappelle, Bien, donc tu es l'éditeur de, ce, de cet ouvrage. C'est pour ça que tu es venu nous le présenter. Merci oui, beaucoup. Nous allons continuer maintenant avec la rubrique témoignages. Donc Aurélie, tu le disais en début d'émission, un couple nous a partagé leur témoignage. Exactement, il s'agit d'Eric et de Aurélie, comme par hasard. <laughs> et en fait, <laughs> ils nous ont fait une petite vidéo qu'on peut regarder. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Aurélie. Moi, c'est Eric. Nous sommes mariés depuis décembre et on a la joie de savoir qu'on bah, attend un petit enfant bientôt, de deux mois déjà, enceinte. Trois, Trois mois donc. Et euh, voilà, suite à ça, bah, on a remis en prière au Seigneur euh, que le surendettement euh, qui traîne encore puisse être euh, réglé et qu'on puisse aussi trouver un nouvel appartement adapté, euh, sachant que les finances est compliquées. Et euh, justement, ce jeudi soir, il y a eu une première prière inspirée en direct. Donc, euh, il y a eu un appel aux dons à la fin. Et euh, c'est là que j'ai reçu du Seigneur un don. Mais euh, j'ai commencé à faire mes calculs. Je me me disait, me poser la question chérie je donne ou voilà. <laughs> pas et puis finalement je me suis résigné j'ai dit allez je valide et ça a été validé j'ai sauté de joie chérie j'ai donné pour le Seigneur oui. et ce qui s'est passé c'est que le lundi on a reçu un courrier de la Banque de France pour mm. nous indiquer que le surendettement était totalement effacé on ne devait plus rien merci. on a visité d'ailleurs un appartement et euh, on a emménagé le dimanche donc voilà ouais. merci Seigneur merci, merci Jésus tout s'est passé en une semaine voilà, gloire, gloire à Dieu. À, gloire à Dieu. Bye. Merci. Wow, wow, en une semaine, wouh. Une semaine, wow. c'est ce qui est vraiment marquant dans ce témoignage, c'est que les choses se sont, sont allées tellement vite wow. en fait. Il a écouté l'émission euh, Prière Inspirée, et puis le lendemain, il envoie un courrier. Le, le lendemain encore, la Banque de France répond que voilà le dossier qu'il a déposé est ben, la dette est annulée, en fait, oui, comme il fou. a dit. Et encore euh, deux jours après, ben, il aménage dans sa nouvelle maison. Vous voyez <laughs> comment un, un petit geste, un acte de foi. Mais entraîne, euh, en fait, il a déclenché, je sais, euh, une succession de miracles ouais. dans la vie de ce monsieur-là, et c'est ce qu'on peut vivre alors qu'on choisit tout simplement d'honorer le Seigneur, d'honorer même nos pasteurs, vu qu'on est en train mm -hmm. de parler de ça aujourd'hui. Donc, n'hésitons pas, allons dans cette direction. Dieu est bon, Dieu fait grâce, et s'il a fait dans leur vie. Il pourra mmh. le faire dans la vie de plusieurs personnes qui nous écoutent aujourd'hui. Amen, Amen. Ah, amen. Moi, j'aime toujours euh, vos témoignages, serge amis et amis Et si vous voulez nous laisser votre témoignage, il y a un nouveau moyen. Nous avons un formulaire en ligne, emcitv.com/slash témoignage. Et laissez-nous donc euh, votre histoire qui nous édifie toujours beaucoup de savoir euh, ce que les émissions de MCITV ont fait dans votre vie. Guillaume, merci d'être venu sur le plateau de Bonjour chez vous. Tu reprends, viendras nous présenter d'autres livres de John Maxwell parce qu'on oui. en a plusieurs. Vous en avez édité Plusieurs. Et nous, nous allons nous retrouver demain. Notre thème sera As-tu prémédité de faire le bien aujourd'hui Et nous aurons la rubrique famille avec Frank qui va nous faire une super rubrique famille. Oh Femmes, mode d'emploi. <laughs> Messieurs, sortez vos crayons. <laughs> Allez, on se retrouve demain. Bonjour chez vous.